cinema italiano è un cinema fabuloso, abbiamo bisogno delle buone notizie, delle, bueno, del cinema italiano e delle donne nel cinema italiano, per piacere. Domanda piuttosto complicata, piuttosto complessa, ma penso che il cinema italiano goda di una buona salute, è vivace, vivo, ci sono tanti esordi, tanti giovani che incominciano e si fanno tanti film, ma non credo solo in Italia ma anche in Europa, e questo grazie soprattutto anche alle tecniche che si sono semplificate sempre di più e permettono a dei giovani, questo non avveniva quando io avevo 20 anni, di fare il loro primo film. Questa è una democrazia che va sicuramente sostenuta, però non vorrei fare dei, perché quando si fanno dei nomi se ne dimenticano altri, e noi artisti, scusi l'immodestia, siamo molto permalosi, se quindi lasciamo perdere, non facciamo nomi. It's a very complex question actually, but I can tell you that Italian cinema is good, it has good health, it's very much alive, and there are many filmmakers that can make their first film nowadays, not only in Italy but all over Europe. This is thanks to the new techniques that allow something that was impossible when I was 20, which is to say the possibility of making a first film. You know, it's a democratic process and I welcome it. It's something that we should all be happy about. Don't ask me to make names and to mention names because I risk of forgetting a few, and we artists are very touchy about that. Le cinéma italien est en très bonne santé, est extrêmement vivace. C'est pas seulement le cas d'Italie, c'est aussi le cas de l'Europe tout entière, où il y a beaucoup de jeunes qui font des films, et il y a beaucoup de premiers films qui se font beaucoup plus facilement qu'à mon époque, parce que maintenant les nouvelles technologies se permettent de mettre très vite la main et la pâte, et c'est quelque chose dont nous devons tous nous réjouir, même si je ne suis pas en mesure ce matin de vous citer des noms, parce que nous avons tous de grandes susceptibilités, donc je ne veux fâcher personne. À ce qui concerne l'approbation, c'est évident, c'est un film qu'on a immédiatement envie de revoir. D'ailleurs, je viendrai ce soir à le voir. Je ne me suis pas ennuyé un seul instant, ce qui arrive très très rare, même à Cannes. Rarement, bon, j'arrête là. Et il y a deux petites questions. Le fait, est-ce que c'était indispensable de ne pas dire que le protagoniste à la fin écrirait un bouquin là-dessus? Je ne sais pas, c'était peut-être prévu dans le scénario ou pas. Et l'autre chose, ce qui s'est passé à Superga avec l'équipe de Turin, qui était peu le Real Madrid de l'époque, excusez-moi, c'était comme ça, parce que moi j'avais vécu, j'avais 6 ans à l'époque, c'était un traumatisme. Bon, ce malheur, cet avion qui s'écrase avec toute l'équipe de mes meilleures équipes romaines, est-ce qu'on ne comprend peut-être pas bien ce petit détail? C'est elliptique, voilà. Est-ce que c'est voulu ou pas? Voilà. Sì, grazie, noi siamo amici. Però rispetto la questione del film in cui si inseriscono volutamente tutta una serie di immagini storiche che danno il tempo, per esempio soprattutto della televisione di allora, pensiamo a Raffaella Carrà, pensiamo a Belfalo, pensiamo alle Olimpiadi, pensiamo anche a dei film, e diventano il linguaggio del film. È chiaro che la tragedia del Torino, che io ho vissuto personalmente, perché oltretutto io ero tifoso del Torino ed ero bambino ed ero alle elementari quando la maestra perché allora le cose si sapevano il giorno dopo, non un attimo dopo come adesso, tutti piangemmo per questa cosa tragica, ma naturalmente la storia di un film, appunto la necessità di ellissi, ha fatto sì che noi abbiamo dovuto saltare una serie di spiegazioni che potevano per lo spettatore rendere più chiaro questo rapporto. Poi, con molta lealtà, quando il produttore mi ha proposto di
di fare un film dal libro di Granellini, è stata grande la mia emozione nel leggere di quella tragedia, che poi era inevitabile, ho personalizzato, i fatti sono quelli del libro, però a cui abbiamo aggiunto tutta una serie di cose che riguardavano. In questo senso comunque si voglia giudicare questo film, è per me un film particolarmente sentito, a prescindere dai suoi risultati artistici. Of course, it's a film, and we need to have a series of historical references to give an idea of flavor of the time of Italy back then, especially with television programs. We see Raffaella Carrà, we see the Bellocchio, which was one of the films that the Italian television broadcasted quite often. You know, give a series of references just to put into context. But then there is a film language, of course, and the tragedy of the Torino football team that I lived myself. I still remember the way we were all crying at school when our teacher told us about it, because we had we were all rooting for that same team. But as you said, we needed a narrative in a filmic language because we had to skip a series of explanations, because otherwise it would have been impossible. And when the producer asked me to do this film, to do this project, I was moved again by reading about that tragedy in the book. So the way it's described, it's based in the book for facts, but it's based on my feelings as well. It's a film that is very much felt. Effectivement, bon, il y a toute une série de références historiques précises qu'il fallait bien donner aux spectateurs pour qu'il y ait une espèce de toile de fond historique, et notamment la présence de la télévision pour cette génération d'Italiens avec des figures très précises, notamment la figure de Belfegor est quelque chose qui parle vraiment à cette génération-là. Ces figures-là sont présentes, et le drame auquel vous faites allusion de cette équipe de foot, que ça a été quelque chose de très marquant, de très traumatisant pour la génération de gamins que nous étions, tous mordus de foot. Moi, je me souviens encore, à l'époque où on nous l'a annoncé à l'école, des larmes qui étaient les nôtres, parce qu'à l'époque, il fallait quand même une journée pour que les nouvelles nous arrivent, c'était pas une seconde comme c'est le cas aujourd'hui, et ça a été un grand choc. Donc ça, ce sont des choses que nous avons tous vécues et qu'il fallait, à travers le langage cinématographique, donner à voir comme élément de référence aux spectateurs. Et donc le livre, quand le producteur m'a proposé de relire le livre, de faire une adaptation de ce livre-là, ben, ça m'a replongé moi vraiment dans cette période de la vie. Donc il y a nécessairement des événements sur lesquels on fait l'impasse, parce que ça ne peut pas non plus être trop descriptif. Mais moi, c'est des choses qui ont été des fortes réminiscences de ma vie personnelle, et donc c'est quelque chose que j'ai très profondément ressenti. Donc c'est un film indépendamment de son résultat artistique et qui a des choses très, très personnellement vécues et ressenties par moi. Les acteurs sont magnifiques, mais le petit garçon formidable n'a pas pu venir aujourd'hui. Ma chiesto agli attori. Adesso mi scatta proprio una delicatezza. Parlo. Valerio is saying that you two are the Massimo are inside himself. Sì, ma non è una domanda. Che cosa è questo? They are saying that the children was better than us. We agree, because we are corrupted inside, and while they have to corrupt themselves still. No, that is not a question, so what I'm talking about. The younger actors are holidays, no holidays. We don't know why, because school are open. Take the microphone away from you. Une autre question.
Buongiorno, è difficile di parlare dopo un film così, sono solamente una madre. E voglio dire grazie mille al maestro che abbiamo davanti a noi. E grazie anche per la sincerità degli artisti, tutti gli attori, perché veramente tutte le madri penso che sono colpite. Grazie per tutte le mamme del mondo. Grazie. Grazie. It's payback from the first film, Fist in the Pocket, when I killed another. It's the opposite. The lady is just making a comment. It's difficult to talk after such a touching movie. Thanks to the maestro, thanks to the sincerity of the performance of all the artists involved, and thank you on behalf of all the mothers involved. Madame disait même si c'était difficile de parler après un tel film, on peut juste rendre hommage à la beauté du geste du maestro et merci à la sincérité des acteurs et d'avoir rendu cet hommage à toutes les mamans. Donc je peux dire qu'elles sont très émues après avoir vu ce film. Et donc Marco explique qu'il a essayé de se rattraper un peu de son premier film où il avait commencé par tuer sa mère. Bonjour Marco, enfant, j'avais un super-héros et puis j'avais un gentil fantôme. Alors pourquoi avez-vous choisi Beltegor? Merci. Le valore è nel libro. Effettivamente è un fantasma che in qualche modo Massimo legge. Proprio perché lo aiuti a sopravvivere alla sua tragedia, insomma. E quello lo dice la personaggio di Bellocchio, ma ha aiutato a non diventare pazzo. È chiaro che Belfagor corrispondeva esattamente all'anno della morte tragica della mamma di Massimo e quindi era descritto, era citato nel libro e ci sembrava un'immagine che diventasse un simbolo, come lei ha visto, l'abbiamo elaborata anche proprio formalmente perché si imprimesse ancora di più nel corpo formale del film. Belfago is specifically mentioned in the book actually. It's the ghost that Massimo chooses to be able to receive help in overcoming the tragedy of the loss of the mother, and he says so. He tells to Bellocchio's character, he better will help me not to become crazy. And I thought that it was a very good solution, you know, to have it in the film. We actually decided to develop it a bit more from a formal point of view, because it's the same year of the death, of the tragic death of the mother. En fait, je n'ai pas choisi Belfagor était dans le livre, puisque c'était vraiment le personnage, le fantôme que le personnage de Massimo se choisit comme un rempart à la tragédie qu'il subit. Et il dit d'ailleurs au personnage d'Elisa de Bernice Bejot, il dit que c'est grâce à elle qu'il n'est pas devenu fou. Donc ça a été son garde-fou. Et pour nous, en fait, c'était un très beau choix, ce personnage, parce que d'une part, ça correspondait parfaitement, c'était très. Très synchronique du point de vue historique, ça correspondait à l'année de la disparition de la mère, la diffusion de ce film à la télévision, et puis parce que du point de vue formel aussi, elle arrivait très bien à s'incorporer dans l'esprit visuel et esthétique du film, donc ça collait très bien. Une question pour Bérénice, je vous rentrez tout en douceur dans le film, comme médecin, et vous finissez avec un retrait central d'amoureuse. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que de tourner avec Marco Bellocchio et comment vous avez vécu ce tournage? En fait, on venait de rigoler, on était un peu dissipés, parce que, et ça résume bien l'état dans lequel j'étais sur le tournage, moi je suis arrivée, je parle pas italien, je comprends, parce que je suis argentine, mais je ne parle pas italien. Et donc j'ai travaillé pendant un mois, deux fois par semaine avec un coach,
pour apprendre le texte. Et l'espagnol et l'italien, ça change sur un mot. Escuela, escuela. Donc c'est un enfer pour moi. Et j'arrive sur le plateau, je termine un tournage dans le sud de la France. Je suis arrivée à 2h du matin et je me suis retrouvée sur le plateau avec Marco à 9h. Et je fais comme ça, parce que c'est quand même Marco Bellocchio. Moi, j'ai grandi avec une fascination pour le cinéma italien. J'étais très impressionnée. Et il a commencé à en faire improviser. Donc, je lui dis, je ne peux pas improviser. Et je me retrouve action et j'ai des docteurs qui me posent des questions. Et moi, je suis là. Ma. Si. Ah, autant si. Rien du tout. Et j'avais Valerio, que je ne connaissais pas à l'époque. Et comment c'était Valerio? Valerio m'a raconté mieux que moi. Et après, je me dis, si, ma si. Et non, elle est très bien. No, not you, the translator. No, it was the first scene that we made together. It was about my panic attack and I go on to the hospital. Italiano, no, inglese non è possibile, perché tu non hai l'inglese bene come l'italiano. She thinks about me as an international actor, but she doesn't admit this. Comunque, io dovevo dire, mi scusi, e lei doveva dire sì. After 10 takes, she answered me like this. Mi scusi, pronto? So this was the first day of Bernice Bechot, international actress on New York. Et en même temps, j'avais Marco toujours comme ça. Qui me disait, tout au bien, elle me piace, et puis elle s'en vie, son vie un petit mare, et tout. Et il me parle en italien, mais tu capisco, non capisco, ma elle me capisca. Et là, je fais, si, mais je comprends, mais je ne parle pas. Et ça a été comme ça les premiers jours, un peu. Et bon, et après, c'est un homme formidable qui s'épanouit énormément dans son travail, qui est très généreux, qui est dans un bonheur et un plaisir, qui est très contagieux. Et donc voilà, c'était une expérience qui était formidable et il le sait. Un peu, j'étais très émue à la fin. Je n'avais pas envie de partir, je n'avais pas envie de finir. Et j'aimerais parler italien, vivre en Italie, et tourner que avec l'Italie. Nous avons vu un film très riche, merci Marco Bellocchio, et aussi merci à la Quinzaine de nous avoir fait une belle ouverture pour ce festival. Ce film était très riche, mais il y a eu la mamma, il y a eu la fée granata, mais il y avait un autre thème qui m'a impressionné, c'est la stampa, sur la presse. Et en particulier sur la mise en scène par des journalistes d'un événement qui s'est passé. Merci Marco Bellocchio. Sì, la sua non è una domanda, grazie. Grazie, veramente grazie. Mi sono molto. Mi commuovo quello che dice, perché mi sembra che sia piaciuto. Grazie. Thank you, I'm very moved by your words. I think you like the film. Bien, nous remercions donc Marco Bellocchio.